Eh bien, salut à tous ces petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite. Arrête de le caresser, bordel, ça me détruit les oreilles. Mais oui, mais t'as qu'à en prendre un si t'en veux. Je vais le caresser moi-même. C'est pas mon problème, je le caresserai si tu veux. J'espère que vous pétez la forme. On est parti pour regarder un petit peu les nouveautés de cette mise à jour sur le mode créatif. Je l'ai pas fait les dernières semaines parce que le contenu sur le mode créatif était vraiment ridicule. Enfin, il y avait rien, ça ne demandait pas de vidéo. Je voulais pas vraiment la faire parce que voilà, il y avait trop peu de choses. Mais là, aujourd'hui, il y a enfin un petit peu de nouveautés qui font plaisir. Donc du coup, bah, on est parti comme d'habitude pour la présentation de tout cela. Je suis avec Starmiz et Merguez. Bonjour. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu et n'oubliez pas aussi le code créateur virtuose dans l'outil de Battle Royale et de sauver le monde. Et on est parti. Alors, nous avons deux nouvelles îles qui est l'île Canyon 1 et l'île Canyon 2. C'est-tu... Il doit y avoir un lieu qui doit être rempli et un autre qui doit être vide, j'en suis sûr. Tu penses? Bah non. Parce qu'on a déjà l'habitude d'en avoir deux, mais c'est tout à la même chose. Oula, attention, téléportation, attention. Waouh. Waouh! Oh, elle est grande! Ah ouais! Elle est grande! Ah ouais! Ah ouais, là, c'est joli! Ah ouais! Elle prend bien! Ah ouais! On a de bons trucs ici! J'avoue, attends, je vais vous mettre les permes! J'imagine déjà! Hop! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, là, c'est validé à 100%! C'est validé! Ça change clairement des autres îles pour une fois! Exactement, ouais! Là, on est vraiment sur un nouvel univers, quoi! Ça change complètement, mais je valide à 100%! 200% même. Ah ouais, c'est juste. Allez, 300%, on est des fous, 300%. Non, mais franchement, c'est grave joli. Ouais, mec. Ouais. Il y a moyen de faire des beaux petits trucs là-dedans. Hein. Il y a vraiment moyen de faire des beaux petits trucs. Ah ouais, on a vraiment pas mal de choses. Là, en plus, on a l'impression qu'il y a déjà une piste de course qui est déjà créée et tout. Waouh. Là ? Ah ouais, de ouf. Là, on a l'impression qu'il y a déjà une course. On a l'impression que c'est une course Mario, etc. Enfin. Ouais. Et je trouve ça trop classe. C'est trop joli. Ah, j'adore. C'est vrai que c'est magnifique. N'hésitez vraiment pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve ça magnifique, je trouve ça joli. Alors après, on a beau trouver ça joli, est-ce qu'on aura des idées ou quoi que ce soit à faire avec? Pour l'instant, j'ai rien qui me vient à l'idée. Mais c'est joli. Voilà. Bah déjà je vois bien une guerre de territoire, tu vois, déjà genre ce côté contre l'autre côté là-bas, enfin ouais, exactement sympa. Ouais. Une course aussi. Ouais, exactement, une course dans le canyon aussi, ça peut être sympa avec des avions, t'imagines? Oh là là. Avec des avions et tout. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est super classe, c'est super joli. J'adore, je kiffe, c'est trop beau. En plus, on a vraiment une grande étendue. Enfin, on a le canyon en soi, on a plusieurs petites parties, mais c'est surtout qu'on a une grande étendue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une base ici et ensuite bah, faire une ville ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas ce qui est possible de faire, mais il y a vraiment plein de choses à faire. Et voilà, si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas comme d'habitude à le mettre dans l'espace commentaire. Oh, il y a même la cascade ici. Ah ouais, c'est trop classe. Hein. C'est trop classe. J'adore. Je suis complètement conquis. Il y a une cascade là, ouais. Là, il y a la cascade. C'est vraiment magnifique, je kiffe total, je suis en kiff total. Waouh. Ok, on va aller voir sur la deuxième île. Starmis dit qu'on aura peut-être une île vierge. On va voir, comme il nous l'avait dit l'autre coup. On va voir si on a une deuxième île. Si l'île Canyon 2 est exactement la même chose. A mon avis, je pense que c'est vraiment la... Putain, il recommence, j'en peux plus de cet enfant. J'en ai marre. On va voir si sur l'île 2 c'est la même chose. Moi, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de changement. Pour moi, il n'y a pas de changement. Ah bah ouais. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais, c'est exactement la même chose. Voilà, ça me choque pas, c'est exactement la même chose. Mais ça reste super joli, quoi. Ça reste vraiment joli. Attendez, je vais vous remettre les permes. Voilà qui est fait. Et je vais mettre 14h. Magnifique. Ouais, avec le coucher de soleil, c'est vrai que c'est joli. Mais bon, c'est beaucoup mieux quand il y a plein de luminosité. Comme ça, on peut mieux voir les choses. Ok. Donc ça, c'était l'une des premières grosses nouveautés et franchement, elle est top. Elle est top, j'adore. J'adore l'univers. Ensuite, nous avons bien évidemment des nouveaux préfabriqués. Donc nous avons les préfabriqués de la ville qui se nomme apparemment Trio Pueblo, Portail Pueblo, Duo Pueblo, Résidence Pueblo et Clocher Pueblo. Donc c'est la ville qui est à côté de... On n'a pas encore les trucs de Paradise Palm, hein.
On n'a pas encore les trucs de paradis. Ils forcent quand même. Hein. Ils forcent ouais, vraiment. Arriver, on va les avoir. Ah, donc c'est. Quoi? Ah, c'est bon. Non, wow. Parce que ça c'est joli par contre, avec le petit cloche et tout, etc. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, normalement c'est la ville qui est à côté de Paradise Palm, celle qui est un petit peu reculée. C'est la petite ville mexicaine. Voilà, c'est ça, c'est les préfabriqués, les constructions de cette ville-là. Donc vous en avez plein, vous avez toutes les maisons, etc. On va pas vous le montrer, ça n'a aucun intérêt. Ensuite vous avez les préfabriqués un par un, hop là, comme ceci. Vous avez tous les préfabriqués un par un, comme là, voilà, donc vous pouvez mettre les murs que vous souhaitez. Ensuite, vous avez la galerie Pueblo accessoires. Donc ça, c'est tous les accessoires que vous pourrez retrouver à El Pueblo. Donc les pneus, tout ça, bah après, c'est des trucs qu'on retrouve assez régulièrement dans les autres trucs. Et voilà, il va agrandir la cloche, voilà. On peut plus de cet enfant. On peut plus. Un tapis énorme. Tiens, regarde, c'est assez gros pour toi, là. Oh, tapis d'Aladin. Eh, vas-y, on va faire un jeu, on va devoir mettre la balle de golf là-dedans. Le premier qui réussit, il a l'épée. Oh ouais, t'imagines des armes. T'imagines, tu mets des armes à l'intérieur. Oh ouais, ça me donne une idée de jeu. Oh ouais, ça me donne un mini-jeu là. Allez hop, c'est noté. Hop, c'est noté. Petite vidéo. Vous avez la galerie naturelle désert. Hop là. Avec les cactus, les pierres. Vous avez la galerie fête de quartier. Putain, voilà, mais j'en ai marre de cet enfant, c'est pas possible. Non, mais ne t'occupe pas de moi, présente et moi je fais ce qu'il y a à côté. La fête de quartier avec les banderoles comme ça là, c'est sympa, c'est classe, ouais. C'est joli, c'est beau, c'est propre. Et vous avez la galerie sans collision, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer en collision avec. Voilà, donc ça c'est ce genre de truc. Donc vous pouvez les traverser comme vous voulez. De ce que j'ai vu dans les fichiers du jeu pour l'instant, c'est que normalement la semaine prochaine on va avoir les dinosaures. En préfabriqué, enfin tous les trucs de dinosaures, etc. On va les avoir en préfabriqué, donc on pourra les mettre où est-ce qu'on veut. Donc ça c'est classe, c'est cool, j'adore. Des dinosaures géants. Oui, mais j'en ai déjà un sur mon île, un dinosaure géant, mais j'en dis pas plus, j'en ai un, j'en dis pas plus. Ensuite, nous avons des nouveaux objets, donc nous avons le générateur d'objets de capture, nous avons le contrôleur de tempête de base, nous avons le déclencheur. Et nous avons, si je dis pas de bêtises, c'est tout pour cette galerie-là. Les galeries à défi, il y a des petits trucs qui ont été modifiés. Pareil pour les flippers, il y a des paramètres qui ont été modifiés, donc si vous êtes intéressé. Mais sinon, il y a vraiment ça qui a été rajouté. Hop. C'est ça. Donc, c'est un déclencheur assez particulier. Donc, déclenché par le joueur, délai d'activation, sens du déclencheur, activé au démarrage. Je vois pas vraiment, entre guillemets, pour l'instant, son utilité. Peut-être pour déclencher des choses et les faire exploser, etc. Peut-être pour, genre, appuyer sur un bouton. Ce genre de truc pourrait être utile. De passer par-dessus, etc. Voilà. Sinon, je vois pas vraiment. Ensuite, vous avez le déclencheur de tempête. Qui est vraiment classe rayon de départ. Rayon de départ, on va mettre 75 mètres. Rayon d'arrivée, OM. Durée d'attente 1 minute. On testera un peu ça, le truc de la tempête. Et ensuite vous avez ceci qui est le générateur d'objets à capture qui est comme ça, voilà. Donc vous pouvez le personnaliser, équipe alliée, capturée par équipe alliée, équipe adverse. Couleur du sort turquoise, vous pouvez changer la couleur, etc. Donc ça c'est cool pour les jeux les jeux à équipe, genre par exemple, putain, il a agrandi, mais j'en peux plus de cet enfant, j'en ai marre. Ah oui, il est beau comme ça en vrai. C'est vrai que comme ça, il est joli. C'est vrai. Mais il fait un peu peur quand même. Il fait un peu peur. Donc, ça va être bien pour les captures de drapeau, pour les jeux avec équipe contre équipe où il y a quelque chose à récupérer, ça peut être classe. Ça peut être joli, mais voilà. Après, c'est vraiment des petits détails où il faut vraiment se pencher sur tous les paramètres, voir le jeu, etc. Nous, on va pas le faire maintenant parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ensuite, nous avons eu ce nouvel objet à usage unique, le drapeau, que je tiens dans la main. Trop bien dans les mains. J'avoue. Ah ouais. Oh ouais. Oh, c'est trop c'est classe. Je me rends. J'avoue, c'est classe. Attends. Drapeau blanc. Attends. Non, il voulait caresser mon drapeau, c'est ça. Tu voulais caresser mon drapeau. Non, franchement, c'est classe. Le drapeau, en plus, il est top. Vous pouvez le mettre sur le socle. Comme ça, hop. Voilà. Et ensuite, bah, si jamais vous changez la couleur, le socle... Voilà, drapeau blanc, je me rends, chef.
Je me rends. Main en l'air. Ah ouais, Je me rends. Propre. Et vous pouvez changer la couleur. Donc par exemple rouge, vous pouvez mettre or. Vous pouvez mettre vert pomme, etc. Enfin bref, vous pouvez changer la couleur pour faire un peu des jeux d'équipe et des jeux de rôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite game pour voir déjà ce que l'objet de tempête va faire. Et normalement, il me semble pas que j'ai des paramètres à regarder. Multiplicateur, je crois pas que j'ai des paramètres à regarder. On va lancer, on va voir comment la tempête va se diriger. On va voir comment la tempête Allez. va faire. Parce que je trouve ça grave classe en vrai. Ah ouais! Oh. Ah non, attends, Ah on va mourir! Chef! On va mourir! Ah ouais, non, c'est stylé! Ah oui, ça c'est classe! Effectivement! Il est où le générateur? On le voit pas? Non, je pense que je l'ai rendu invisible. Ah, mais du Ah coup, ouais, c'est d'accord. classe! Et attends, est-ce qu'elle bouge la tempête? Je Ouais, crois pas. ouais. Est-ce qu'on peut la faire rapprocher vers nous? Normalement, tu peux, hein. Normalement, tu peux, mais après, je t'ai dit, il faut regarder les paramètres, etc. J'ai sûrement mis un délai en fait. Genre, par exemple, attendre 1 minute ou 2. Je sais pas, c'était les paramètres par défaut, je les ai pas touchés. Donc, à mon avis, ouais, les paramètres. Enfin, après, la zone, elle va bouger. J'ai volé le drapeau à Star Army, chef. Mais ça, c'est classe, hein. Là, la Ouais. zone comme ça, c'est vraiment classe. Ça pourra vraiment changer les combats, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand on fait des combats de 5 minutes, bah, on met une zone pour vraiment nous obliger à nous déplacer à chaque fois, tu vois. Genre comme ça évite parce que généralement quand on fait les combats de 5 minutes, etc., on est toujours au même endroit. Donc là, ça nous obligera à nous battre un petit peu différemment. Ouais, avec des mouvements de zone et tout, ouais. C'est ça. Ah, tu peux pas construire quand t'as le drapeau dans les mains. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, laissez-moi tranquille! Viens, Attends, je viens vais voir la zone. Va faire un coucou à la le... zone. Laissez-moi tranquille! c'est bon, je l'ai tué, chef. Non. J'ai pas mon. Ah, merci, merguez, merci. Attends, on va juste attendre de voir si la zone elle bouge ou si elle reste vraiment fixe. Je crois Non. que t'as pas mis les bons paramètres. Bah, j'ai laissé les paramètres par défaut, donc pas les paramètres par défaut, à mon avis, elle doit bouger, sinon bah, c'est un cercle quoi, ça a aucun intérêt, tu vois. Par Je sais contre, pas. il n'y a pas le compte à rebours qui ça. Chef, j'ai besoin d'aide! Mais arrête! Cours, Star Mise. Il est bloqué dans la maison. Chef! Help me! Aidez-moi! Ah, t'es déçu. Oh, t'es bloqué. Non, je suis pas. Ah! Oh, la zone! Ah Ah, ouais! voilà, elle avance. Ah Non! merde, j'ai tué le tuyau. Désolé. Prenez le drapeau, chef! C'est bon. Ouais, donc la zone elle avance bien quoi. Ah, ça par contre, c'est classe. Ouais, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé là, la C'est zone qui moi avance qui comme l'ai. ça. Ouais, ça va vraiment changer certains combats, certaines maps, etc. Et même pour les escape games, tu vois, des trucs comme ça et tout. Franchement, c'est classe. Il est temps et c'est la zone qui arrive. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça change un petit peu des zones qu'on avait, la zone des Toudoum. Parce que la zone des Toudoum, bah, tu te la prenais, tu mourais instantanément ou tu prenais des dégâts. Mais voilà, c'était un peu particulier. Alors que là, bah, c'est une vraie zone de Battle Royale, une vraie zone de tempête. Donc, du coup, moi, je trouve ça grave classe, quoi. Ouais. Waouh. Merci Epic Games pour cette mise à jour. Ça fait quelques semaines où on n'avait pas eu grand chose. Ouh là, il y a un trait là. Je crois que le truc de la tempête il a bugué. Ah ouais. Il a bugué. Merci Epic Games d'avoir enfin rajouté plus ou moins du contenu sur le créatif. Parce que là, depuis le début de la saison 9, on va pas se mentir, il y avait rien. Et bah, là, ça fait un peu plaisir. À voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Comme je l'ai dit, donnez-nous vos avis dans l'espace commentaire, si vous avez des idées de jeu ou quoi que ce soit, faites-le nous savoir. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Virtuose, Merguez et Starmiz. Et nous, on vous dit à la prochaine. Et bye tout le monde! Salut.